Ma Mission TV, le miroir du monde. Là, je voudrais apporter une précision. Beaucoup de choses, des mensonges et des contre-vérités ont été dites par rapport à la suspension de nos premiers. Tous ceux qui étaient à la conférence des présidents le savent que j'avais proposé que nous puissions continuer nos travaux d'infisquer en ce servant de la nouvelle technologie. Je n'ai pas été entendu. Si quelqu'un vous dit que le président avait suspendu d'autorité les rencontres de l'Assemblée plénière, faites tout pour les rencontrer les jours du dernier jugement devant les séries. Et dans ça, il y a déjà des salons pour les députés. Wow. Oui, donc on va écouter, on va mettre la télé. Comme ça, les députés ne peuvent plus faire l'erreur. C'est beau, Ma Mission TV, le miroir du monde. Mérite nos hommages à ce qu'il a décrété l'état de siège dans les provinces sud-européennes. J'apprécie à sa juste valeur cette décision salutaire qui contribue sans nul doute à lutter efficacement contre l'insécurité qui a élu domicile à l'est de notre pays depuis plus d'une décennie. Cet acte de haute portée politique qui sera inscrit dans les annales de la République est une preuve indubitable
que les chefs de l'État ne ménagent aucun effort pour en finir avec ce mal qui n'a que trop duré. En sus, il a aussi fourni, pour ainsi dire, la preuve de son attachement à son peuple en séjournant dans la partie est du pays afin de compatir avec nos compatriotes victimes des atrocités des forces négatives et terroristes. En marge de ce séjour, il a palpé du doigt les dégâts causés par l'éruption volcanique et y a apporté une assistance substantielle. À ce jour, des avancées majeures ont été enregistrées par la récupération par nos vaillantes forces armées de plusieurs villages jadis occupés par les ennemis de l'armée. Les informations en notre possession font état d'une évaluation qui sera mise en œuvre pour permettre les réajustements utiles dans le but de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien indéfectible à toute initiative allant dans le sens de la stabilité de ces contrées et de la lutte pour l'intégrité territoriale de notre cher pays. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, permettez-moi de placer un mot en rapport avec cette crise quasi existentielle qu'est la pandémie liée au coronavirus, ce fléau qui continue à causer la désolation dans les genres humains à travers le monde et en particulier en République démocratique du Congo. Face à ces dangers qui nous guettent, j'ai saisi une fois de plus cette occasion solennelle pour exprimer au président de la République, chef de l'État, toute ma gratitude pour avoir édicté des mesures afin d'endiguer les effets néfastes de la troisième vague du coronavirus en lien étroit avec les variants insidieux d'origine indienne qui n'a pas d'effet comme ces devanciers, mais d'une contagiosité redoutable. À ma qualité d'élite équinoise et quinon, je gère ma voix à celle de la haute autorité du pays pour en appeler à l'ensemble de nos électeurs à l'observation stricte des mesures barrières, car contrairement aux pessimistes qui sont passés spécialistes dans la désinformation, cette pandémie est présente et non encore éradiquée. Continuons donc à nous protéger. Dans ce registre, il est bon de relever que les incertitudes relatives à l'atteinte de l'immunité collective demeure élevée et celle des experts du Comité national multisectoriel de la lutte contre le coronavirus vont devoir nous fixer. En attendant, il nous faut tous donner une impulsion assez forte à la question de la vaccination de la population contre le coronavirus en prêchant par l'exemple, car il s'observe dans les chefs de la population chinoise, un scepticisme, sinon un rejet du vaccin qui risque de conduire la population chinoise à des risques imprescriptibles. Pendant ce temps, à Brazzaville, vous ne pouvez accéder aux moyens de transport en commun, vous ne pouvez pas accéder aux bâtiments publics sans que vous puissiez exhiber votre certificat de vaccination. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, partant dans les mêmes vols à destination de Paris, les ressortissants de la RDC sont mis en quarantaine pendant que ceux du Congo-Brazzaville sont accueillis à Brazzaville. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est essentiellement budgétaire, comme vous le savez tous, et sera consacrée à l'examen et au vote du budget dédié de finances de l'exercice 2020. À cet égard, j'invite le gouvernement provincial, ici présent, à déposer dans les meilleurs délais
au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le projet dédié des finances de l'exercice 2022. À ce sujet, je voudrais apporter des précisions techniques. Si par le passé, nous avons accepté les budgets ou les dits en retard de délai, c'est tout simplement parce que le retard provenait de l'Assemblée nationale. Maintenant que le budget a été déposé dans les temps, nous pensons et que la Cour des comptes fera des sommets pour que tous les rapports nous soient transmis au plus tard, le 25 novembre. Honorable député, chers collègues, je tiens à préciser pour éviter tout malentendu qu'avant l'examen de ce projet dédié, le gouvernement provincial fera œuvre utile de déposer simultanément l'année prochaine l'Assemblée provinciale de Kinshasa poursuivra l'analyse des arriérés législatifs et des nouvelles matières. Il s'agit, comme vous le savez, des textes déjà déclarés recevables par la plénière et transmis aux commissions permanentes pour examen approfondi. C'est ici l'occasion de rappeler aussi certaines autres initiatives législatives inscrites au calendrier sans être soumises à la plénière. Parmi les initiatives concernées, figure notamment 1. La proposition dédiée portant réforme des procédures de perception des droits, taxes et rélevances du secteur de la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. 2. La proposition dédiée portant réforme des procédures et de perception des droits, taxes et rélevances et autres droits dits à la ville de Kinshasa. 3. La proposition dédiée portant disposition générale applicable aux funérailles dans la ville de Kinshasa. 4. La proposition dédiée portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. 5. La proposition dédiée portant détermination des terres agricoles urbano-rurales dans la ville de Kinshasa. 6. La proposition dédiée instituant la taxe écologique dans la ville de Kinshasa. Il n'est pas si préfectatoire de relever ici qu'après leur examen approfondi, la commission permanente politique, administrative et juridique, les arriérés déjà déclarés recevables, devront être soumis à la plénière. De mon point de vue, il paraît opportun de tenir compte des amendements des collègues députés relevés lors des débats au cours des séances plénières passées consacrées à ces initiatives. Ces dernières, une fois finalisées, permettront à la plénière de se prononcer conformément à l'article 117 de notre règlement intérieur. Il s'agit de 1. La proposition dédiée relative au tourisme dans la ville de Kinshasa. 2. La proposition dédiée portant protection des personnes nécessiteuses vivant avec handicap dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition dédiée portant régulation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Avant de clore ces chapitres législatifs, je porte à la connaissance de l'auditeur assemblée que le bureau a reçu quelques correspondances portant validation des pouvoirs émanant des suppléants dont les titulaires ont été nommés aux fonctions incompatibles avec leur qualité de députés provinciaux. À ce sujet, je pense qu'il faut faire un distinguo, tout simplement parce qu'il y a également l'une de nos collègues qui va regagner l'Assemblée provinciale. Elle sera accueillie et représentée car son mandat a été déjà validé. Faisant suite à leur demande, je tiens à les assurer que tout sera mis en œuvre de concert avec la commission permanente politique administrative et judiciaire pour que la validation des pouvoirs soit inscrite au calendrier pour permettre à la plénière de se prononcer sur chaque cas. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, comme vous pouvez vous rendre compte, le nombre important des arriérés législatifs ne veut nullement dire
tout en cas, loin de là, déni de responsabilité. Cependant, je peux tout faire pour bien dire, je m'applique du bien que je sais que je peux légalement et cela conformément à mes attributions. Sans vouloir me justifier, je m'en vais vous faire part de ce qu'aucun n'ignore. Toutes ces initiatives parlementaires, si évoquées, ont été soumises au débat, jugées recevables et transmises à la commission mixte pour examen approfondi. Mais si elles n'ont pas été finalisées, c'est pour la bonne et simple raison que la pandémie liée au coronavirus s'en était mêlée. Là, je voudrais apporter une précision. Beaucoup de choses, des mensonges et des contre-vérités ont été dites par rapport à la suspension de nos plénières. Tous ceux qui étaient à la conférence des présidents le savent que j'avais proposé que nous puissions continuer nos travaux, ne fût-ce qu'en se servant de la nouvelle technologie, je n'ai pas été entendu. Si quelqu'un vous dit que le président avait suspendu d'autorité les rencontres de l'Assemblée plénière, faites tout pour les rencontrer le jour du dernier jugement devant les Seigneurs. Honorables députés et chers collègues, il s'ensuit aussi que la ville de Kinshasa étant considérée comme épicentre de la pandémie dans notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme j'étais en train de le dire, chef de l'État, avait émis le vœu du reste sanitaire de respecter les mesures barrières édictées par les comités multisectoriels de la lutte contre le coronavirus dans tous les pays en général et à Kinshasa en particulier. Voilà pourquoi les bureaux, la conférence des présidents entendus, j'ai décidé de la suspension des plénières car j'estimais que la santé des membres de l'Assemblée provinciale vaut plus que tout et qu'à notre niveau, nous ne devons pas être seulement des modèles, mais nous devons être surtout des exemples. Ainsi, pour traduire ces instructions du président de la République, chef de l'État, dans les faits, les dispositions ont été prises pour le fonctionnement à minima de notre institution. Comme je ne cesse de le dire, mieux vaut pour moi pécher par excès de prudence plutôt que par omission. Je sais que beaucoup d'encre et de salive ont coulé autour de la question liée à la suspension des plénières, mais le spectacle que nous avons vécu dans nos hôpitaux, doublé de la grève des infirmiers, rendait la crise sanitaire très explosive. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, fort de cet état des choses et par respect aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me devais de préserver la santé des représentants de la population et cela allait faire tâche d'huile par rapport à la population, y égard à la théorie du miroir. Je voudrais, avec toute la force de conviction, dire haut et fort qu'il n'est pas bon que la politique puisse se faire sur fond des compréhensions réciproques. Ainsi, je reste convaincu que c'est dans la paix et l'unité qu'il est possible de construire une autre ville de Kinshasa. En tant que légaliste et républicain, soucié de la sauvegarde des vies des Quinois et Quinois, particulièrement des honorables députés provinciaux, je ne pouvais faire fi des orientations émises par la plus haute instance du pays. Cependant, il s'observe une tendance baissière de la pandémie liée au coronavirus et en restant prudent, tout porte à croire que le pire est derrière nous. Par conséquent, nous siégerons sans atermoiement en ayant présent à l'esprit d'éviter les arriérés législatifs lors d'une de mes allocutions. J'en appelais à la confrontation civilisée car à mon aime la vie, c'est l'expression de ce en quoi je crois, en ce sens qu'elle permet d'orienter la démocratie vers les fins civilisationnelles. À mon corps défendant, je n'ai jamais soutenu de tenir la vérité absolue. C'est ainsi que nos débats sont ouverts à tous, sans discrimination aucune,
étant convaincu que la politique au sein de l'hémicycle permet le rayonnement des uns et des autres. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, s'agissant de l'insécurité qui a élite domicile dans nos communes, il y a lieu de rétablir l'autorité par une action concertée du gouvernement provincial et de la police en vue d'éradiquer les effets de la terreur dans nos quartiers, lesquels sont devenus les théâtres de violences innombrables perpétrées par des bandits communément appelés Kuruna. Le gouvernement provincial ne doit ménager aucun effort pour atteindre les objectifs affichés dans son programme en rapport avec cette épineuse question. J'ai saisi cette occasion donc pour enjoindre le gouvernement provincial de prendre à bras le corps ce phénomène des sociétés afin de permettre aux Kinois et Kinois de vivre dans la quiétude. En outre, ce banditisme est exacerbé par la consommation des substances hallucinogènes appelées Bombé, pour ne pas la citer, laquelle fait des ravages dans les chefs de la population et particulièrement chez les jeunes de la tranche d'âge de 10 à 25. À cela s'ajoute l'extorsion des biens des paisibles citoyens et toutes sortes de délits commis par les enfants, ces enfants à travers des acteurs principaux. Tout compte fait, je demande au gouvernement provincial de prendre des mesures efficaces tendant à lutter efficacement contre la délinquance juvénile. Dans ce chapitre, un fait qui m'a exceptionnellement affecté a eu lieu au mois d'avril de l'année en cours. Il s'agit de la bagarre rangée en pleine ville de Kinshasa, précisément dans le voisinage du stade des Martyrs, entre deux camps rivaux des adeptes de la communauté musulmane. La capitale a connu des tueries et autres incendies des véhicules occasionnés par les troubles entre ces groupes rivaux lors de la manifestation commémorative de la fin du Ramadan. Cette confrontation a causé mort d'homme et occasionné d'importants dégâts matériels. Ces morts sacrifiés sur l'autel du fanatisme religieux pouvaient être évités. Du haut de cette tribune et en parfait accord avec la plénière, je tiens à dénoncer de manière la plus énergétique ces actes violents et anti-républicains qui ont troublé la paix et l'ordre public. Puisse l'exécutif provincial veiller et prendre des dispositions de prévention pour que pareille barbarie ne se reproduise. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, pour ce qui est de la salubrité, je salue à sa juste valeur les efforts entrepris dans le but de rendre à la ville de Kinshasa sa splendeur, même si beaucoup reste à faire. Quant à nous, nous osons croire qu'on est dans la bonne direction. On peut tout dire. Aujourd'hui, il est établi que dans la ville de Kinshasa, il n'y a plus de montagnes de déchets. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de montagne de déchets, qu'il n'y a plus de déchets, mais qu'il n'y a plus de montagne de déchets. Nos acteurs principaux sont balayés au quotidien et la vie mieux éclairée comme à l'époque de Mobutu. Ainsi, en toute honnêteté, j'encourage cette ingénieuse initiative et je souhaite que cela puisse continuer et qu'on ne s'arrête pas seulement à l'assainissement primaire, mais que nous puissions aller jusqu'à l'embellissement de la ville et pourquoi pas à la transformation de ces immondices en énergie réductive. J'ose croire que cette belle initiative sera étendue dans toute la ville de Kinshasa. Nous ne pouvons nullement passer sous silence les efforts que fournit l'exécutif provincial en matière d'éclairage public et nous demandons que cela puisse couvrir toute la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, animés par ma politique de proximité et à l'écoute de la population kinoise, je ne peux terminer mon propos sans pouvoir faire mention de notre mission constitutionnelle de contrôle parlementaire.
qui a comme principaux objectifs l'amélioration de la gouvernance et le bien-être de la population de Kinshasa. Je sais qu'après ces discours, il y en a qui vont se dire peut-être dans leur fort intérieur, mais pourquoi il va parler seulement des affaires qui sont balayées, mais il ne dit rien sur les trous qu'il faut que ça grandisse dans la ville de Kinshasa. À ce sujet-là, je voulais juste vous donner une information que le processus de passation des marchés publics a toujours été élastique. L'OVD nous a rassuré que dans des semaines, cette procédure sera terminée et qu'on va lancer l'opération Kinshasa 03. Mon souhait pour ce qui est des contrôles parlementaires, je souhaite que ces contrôles contribuent à la moralisation de la vie publique provinciale, qu'il ne soit pas une simple formalité. C'est pourquoi les différents rapports, une fois adoptés par l'auguste plénière, et les recommandations qui s'en suivront seront adressées en temps utile au gouvernement provincial pour des dispositions utiles. J'ose espérer que le gouvernement fera œuvre utile en exécutant les différentes recommandations formulées à son égard. Honorables députés, chers collègues, sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2021. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie. Je voulais vous dire que les finances publiques du troisième millénaire ne sont pas les finances publiques des années 40-45. Il existe aujourd'hui en finances publiques ce qu'on appelle la débudgétisation. Certainement qu'il y en a encore qui vont dire, mais c'était quelle ligne budgétaire? Cet argent a été ponctionné sur les FCR des membres du bureau. C'est la seule ligne budgétaire pour laquelle on ne maîtrise pas de pièces significatives. Donc il s'agit en réalité d'un don de votre bureau pour que nous puissions travailler dans les conditions les plus importantes. Plus rien, l'État inscrit à l'ordre du jour. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Et voyez l'ordre. Après la journée, donc ça sera le cortège. Les tout puissants, les tout puissants.
Il y a une nouvelle roche là. Oh, les gars. 0,0 km. Sachez. Papa, non, le côté n'a pas ni Vous ne partez pas comme ça, vous êtes mes invités demain. Donc, demandez au protocole. Il faut veiller le micro avant de partir, je ne vais pas y s'arrêter. Donc ici, c'est toujours pour les bureaux de tout le monde, mais pour les commissions parlementaires, on a prévu la peine. Voilà. Excusez, j'explique au président. Le président, c'est par ici qu'on avait passé. Non, les gens peuvent s'adresser son bureau, c'est là. Voilà. Ici, hein? Oui, oui. Oh, nous-mêmes, on va équiper. Oui, oui. Ça, c'est une autre groupe parlementaire. Tout ça, c'est une autre Ici, c'est fermé. On a ouvert ça avant hier. Aujourd'hui, on essaie de faire ça. Je rappelle. Thank you.
Thank you.
Ma mission TV, le miroir du monde.